Bon, c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de généralités la semaine dernière dont j'ai parlé, mais ça me semblait important, hein, j'insiste là-dessus. Ça me permet à la fois de fixer la terminologie, même si elle n'est pas toujours, enfin, c'est pas une définition super stricte, etc., mais de fixer un certain nombre de termes. Alors, j'ai déjà dit, ce cours, c'est un cours de programmation. Et donc, évidemment, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Mais auparavant, il me manque quelques petites choses dont je dois parler. Et notamment, quels sont ces objets de communication? C'est-à-dire, d'un point de vue de la programmation, évidemment, il n'y a pas de fil. Quel est le médium qu'on utilise, ou le concept, ou l'abstraction qu'on utilise dans les programmes, généralement, pour communiquer avec d'autres programmes via le réseau Internet. Donc le grand standard aujourd'hui, tout le monde parle de ça, mais vous pouvez avoir diverses variantes, mais disons c'est issu du monde Unix, c'est BSD qui a introduit cette notion-là, c'est la notion de socket. Et donc pour communiquer, il faut des sockets. Donc les objets qui permettent de communiquer, les points de communication sont des sockets, des prises. D'accord? Donc, une socket, c'est une prise. Donc, c'est un bout du fil. Et donc, si vous voulez établir une connexion, il vous faut deux sockets, un du côté émetteur, un du côté récepteur, sachant que les rôles sont en réalité symétriques. La plupart du temps, dans les communications les plus ordinaires, on va dire, les communications sont dites full duplex, vous communiquez dans les deux sens. En tout cas, en mode flux, hein, c'est le mode par téléphone. Ce n'est pas le cas en mode postal, vous envoyez dans un sens. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une réponse, etc. Donc la communication est plus half duplex qu'autre chose, mais bon, je ne vais pas donner ces définitions, qui sont un peu des vieilles terminologies là, full et half duplex, mais peu importe. Donc de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est quoi une socket? Alors ça, c'est pour comprendre de quoi il s'agit, bah, il faut juste faire un petit effort du point de vue du système. Donc normalement, vous avez un cours de système en L3 là en ce moment, je ne sais pas trop où vous en êtes, mais enfin. Je vais faire un saut dans le futur et j'imagine que vous avez compris exactement de quoi il s'agissait quand on parlait d'entrée-sortie. Et surtout qu'il y avait une grande philosophie qui était cachée derrière Unix. C'était que dans Unix, tout est fichier. Ce n'est pas complètement vrai, mais la plupart des choses sont des fichiers. Un répertoire, c'est un fichier. Un fichier, c'est un fichier. Un périphérique, c'est un fichier. C'est-à-dire que ce sont des objets sur lesquels on lit, on écrit. Et donc, il y a plusieurs types de fichiers, hein, sous Unix. Vous avez des types de fichiers différents. Bah c'est pareil, vous avez un nouveau type de fichier dans Unix quand vous êtes sur le réseau, et ce fichier, c'est la socket, c'est-à-dire c'est un objet sur lequel, ce qu'on appelle un fichier sous Unix, c'est un peu ce que j'ai mis entre guillemets ici, c'est un objet sur lequel vous pouvez lire ou écrire si ça vous est autorisé. Vous pouvez avoir un fichier sur lequel il n'est autorisé que de lire, ou que d'écrire, ou etc., mais peu importe. Dans le sens large, ça signifie simplement que écrire dans un fichier, écrire sur le réseau, écrire sur un périphérique, lire la souris, lire un fichier, ou je sais pas quoi, ça se produit toujours de la même manière avec Unix. Vous avez un seul appel pour le faire. En gros, hein, vous faites read ou vous faites write, si vous voulez. Il peut y avoir des méthodes spécifiques pour certains types de fichiers, mais de toute façon, la plupart du temps, ces deux techniques, read et write, open, close, vous permettent de manipuler n'importe quel type de fichier. Je simplifie à l'extrême, mais c'est ça. Et donc l'objet sous-jacent pour la communication, ben, c'est la socket. OK? Donc comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que vous établissez une communication? C'est une standard, je ne sais pas, il ne faut pas l'entendre au sens de norme ou je ne sais pas quoi, mais une communication ordinaire la plupart du temps, donc c'est celle qui permet d'établir des dialogues. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, en général, on parle de modèle client-serveur et que toujours dans une conversation, il y a à un moment donné, au moins au début, quelqu'un qui joue le rôle du client et quelqu'un qui joue le rôle du serveur. Si vous essayez de regarder, de consulter la littérature et d'essayer de comprendre ce que c'est qu'un client, ce que c'est qu'un serveur, je ne suis pas sûr que vous trouverez de définition formelle de ces concepts.
c'est simplement des rôles. Et j'insiste sur le fait que pour moi, c'est à un moment donné. Il n'y a pas de serveur dans l'absolu et il n'y a pas de client dans l'absolu. Notamment quand on établit une conversation, si jamais on se téléphone, vous et moi, c'est complètement symétrique. C'est-à-dire qu'une fois que la communication a été établie, que le destinataire a décroché, alors c'est bon, la communication est complètement symétrique et il n'y a pas de rôle particulier. Okay ? Donc il n'y a plus ni client ni serveur, c'est une communication type pair à pair. Donc ça a à voir avec le fait qu'il y a des outils pair à pair, etc. C'est-à-dire qu'on est à égal, d'égal à égal, si vous voulez. Alors comment ça marche pour établir une communication ? Comment est-ce qu'on établit une communication ? Bah oui, si on veut communiquer, il faut arriver à être sûr qu'on puisse être joint, etc. Donc ce qu'on entend par partie serveur, c'est justement celle qui est passive. C'est celle qui attend un serveur, c'est un machin qui est passif, qui attend que vous lui demandiez quelque chose à faire. Donc c'est vraiment au sens du service, c'est comme quand vous allez dans une administration, il y a un fonctionnaire qui est derrière le guichet et qui attend. Voilà. Ça c'est la partie serveur. Et vous, vous êtes le client, vous arrivez, vous allez demander quelque chose, et vous allez établir, vous allez dérouler un protocole, vous allez dire bonjour, elle va vous répondre qu'est-ce que vous voulez, etc. Personne. Ok ? Donc, du point de vue de la communication en programmation, la partie serveur, elle est passive. Elle va attendre une demande de connexion. Et bien sûr, sur un port donné. Parce que cette partie serveur, elle rend un service. Elle va vous envoyer, je sais pas quoi, des documents HTML, ou alors elle va, je sais pas, vous donner l'heure, ou je sais pas quoi. Il y a plein de services sur Internet pour faire ça. Si vous avez regardé un petit peu le fameux fichier ETC service dont j'ai parlé la semaine dernière, vous avez essayé d'expérimenter, il y a des machins, il y a un service qui s'appelle le Daytime, qui vous renvoie l'heure courante et la date courante. Donc vous pouvez interroger une machine et lui demander quelle heure il est. Voilà. Si c'est actif, si c'est pas bloqué par les administrateurs paranoïaques. Voilà, donc la partie serveur, c'est ça. Elle attend que vous arriviez, que vous lui demandiez quelque chose, elle vous rend le service donné. Donc elle attend évidemment sur un port donné, parce que si vous voulez obtenir l'heure sur une machine, bah, il faut s'adresser à un certain service. C'est le guichet numéro, je sais pas quoi, 27. Si vous allez au guichet numéro 28, les gens s'occupent d'autre chose. Ils traitent les problèmes d'impôts, au guichet 29, les problèmes de carte d'identité, et je sais pas quoi. Donc c'est exactement cette image-là qu'il faut garder, en tout cas en premier lieu. Si vous avez cette image-là en tête, ça vous résoudra toutes les questions ordinaires de réseau. Bon, et puis la partie cliente, elle, par contre, elle doit communiquer, mais c'est pareil, en fait. Quand elle va communiquer, il faut bien songer que de l'autre côté, le serveur, il va falloir qu'il réponde. Et donc, pour la partie cliente, c'est pareil. En fait, elle va émettre à partir d'un point. Et donc, elle va bien entendu émettre aussi sa demande de connexion depuis un port à elle. OK ? Et quand la partie cliente émet une demande vers le serveur, vers la partie serveur, sur un port donné, le serveur, il est libre d'accepter ou de refuser. Hein. Il est 16h30, il ferme le guichet, il dit non, j'en veux pas, j'en ai trop, je ne sais pas quoi. Mais s'il accepte, une fois qu'on a établi la connexion, alors là, on est vraiment dans un mode pair à pair, c'est-à-dire qu'il y a plus, il y a deux individus qui sont en train de communiquer, et c'est tout, et il n'y a plus de rôle spécifique du point de vue de la communication. Il y a peut-être des rôles dans le dialogue lui-même, la façon dont les gens s'adressent les uns aux autres, etc. Mais dans les rôles, si vous observez ça de loin, il y a deux personnes qui communiquent et il n'y en a pas une qui est privilégiée par rapport à l'autre. Il y a juste au moment où on établit, on va commencer à établir la communication, et là, il y a des rôles distincts. Il y a celui qui va demander la connexion et celui qui va l'accepter. Celui qui va l'accepter ou la refuser, c'est le serveur. Et celui qui va être le demandeur, c'est le client. OK ? Alors, il y a un autre problème aussi pour la communication qui est très importante. Vous allez communiquer entre ordinateurs. Le problème, c'est qu'il faut se mettre d'accord sur l'alphabet de communication. Sur la grammaire, ça, c'est un autre problème. Mais il faut au moins se mettre d'accord sur l'alphabet. Qu'est-ce qu'on échange comme information ? Comment sont codées les informations qu'on échange ? Alors, bien sûr, et si vous voulez que tous les ordinateurs du monde puissent communiquer les uns avec les autres, ben, il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'une lettre, comment on transmet une lettre, dans quel ordre les bits sont représentés, etc. Donc, il faut spécifier quelle est
le type de codage utilisé pour transmettre des informations. Alors, peut-être, j'espère que vous connaissez ça. Normalement, si vous êtes là et que vous venez de Paris 7, vous avez suivi les PF1. En première année, premier semestre, en PF1, on vous explique comment est-ce qu'on code des entiers sur une machine. Et il y a essentiellement deux types de codage, Little Endian et Big Endian. La question, c'est en gros, hein, est-ce que vous représentez... C'est ce qui est indiqué ici. Vous avez votre mémoire. Votre mémoire. Je dis votre mémoire, mais peu importe. Hein, ça peut être le canal de communication. C'est exactement pareil. Hein. C'est le médium sur lequel vous allez transmettre ou enregistrer une information. Ça n'a aucune importance. C'est pareil. Donc votre mémoire, votre médium, hein, bah, y a des emplacements pour ranger différentes informations. Donc ces emplacements, c'est des octets. Ils sont numérotés, si vous voulez... Ou ils sont ordonnés, s'ils ne sont pas numérotés, ils sont ordonnés. Maintenant, vous voulez transmettre un message, notamment qui est un entier. Et un entier, par exemple, dont la taille est 32 bits. Alors normalement, c'est 4 octets. La question, c'est comment, dans quel sens, dans quel ordre, vous transmettez les 4 octets qui constituent la représentation de votre entier. Alors, vous avez deux grandes familles. Il y a plein de familles que vous pouvez vouloir faire, mais... Donc, si votre entier... Puisqu'il est représenté sur 4 octets, hein, c'est que vous pouvez le voir comme un nombre en base 256. Hein. Vous prenez un entier sur 32 bits, bah vous pouvez le voir comme un chiffre de 0 à 255 multiplié par 256 puissance 0, qui est la base. Un chiffre C1 qui est entre 0 et 255, la base à la puissance 1, puis la base à la puissance 2, puis la base à la puissance 3. Donc c'est un nombre à 4 chiffres en base 256. Okay. Quatre chiffres sont C3, C2, C1, C0. Et la question c'est, est-ce que vous mettez C0, C1, C2, C3 comme ça, ou est-ce que vous mettez C3, C2, C1, C0 ? C'est vrai que nous, habituellement, enfin, je pense que la plupart d'entre nous, on utilise la technique dite de représentation des nombres arabes, c'est-à-dire qu'on écrit les chiffres les moins... significatif à droite. Donc si je veux écrire 120, je l'écris comme ça. Et c'est sous-entendu que ça, c'est 0 fois 10 puissance 0, plus 2 fois 10 puissance 1, plus 1 fois 10 puissance 2. Mais c'est juste une convention qu'on a appliquée. Hein. Il y a certainement d'autres civilisations et d'autres langues qui emploient ou ont employé d'autres techniques, qui peuvent les écrire dans l'autre sens. On pourrait très bien décider d'écrire 120 de cette manière-là. Ce n'est juste qu'une histoire de convention. Vous comprenez bien que si on ne se met pas d'accord sur dans quel sens on écrit les nombres, ça va être difficile de communiquer. Hein. Parce que si je vous envoie 120 en disant ça et que je vous dis que c'est, une dette ou peu importe, et que vous comprenez 21 dans l'autre sens, on ne parle pas de la même chose. Il faut se mettre d'accord. Et donc sur le réseau, c'est absolument essentiel. Si vous voulez que deux machines communiquent et s'envoient une valeur numérique, qui est un entier, il faut décider ce que c'est qu'un entier. Et vous devez savoir, vous devriez savoir aujourd'hui que chaque machine, chaque constructeur de machine décide de ce que c'est qu'un entier. Comment il le représente dans sa propre machine, ce qu'il en fait. Le problème, c'est que si vous voulez communiquer avec une machine d'un autre constructeur qui a décidé de faire autre chose, eh bien, il faut qu'ils se mettent d'accord sur un langage commun. D'accord ? Le protocole IP, hein, a choisi un ordre. C'est pas très important de savoir quel est l'ordre qui a été choisi. Ce qui est important de savoir, c'est que de toute façon, quelle que soit la machine sur laquelle vous allez, à partir de laquelle vous allez communiquer, si vous utilisez une bibliothèque standard, ça va faire les choses correctement, c'est-à-dire ça va coder les choses dans le bon ordre. L'ordre, c'est celui dit du Big Endian. Ok ? Alors ce problème-là, hein, c'est celui dit du Network by Ordering. Et puis les facétieux unixiens appellent ça le Nuxi problème. Bah oui, parce que un ordre possible pour représenter les lettres du mot Unix, ce serait d'écrire Nuxi, pourquoi pas. Il y a un ordre comme celui-ci. Bon. Donc c'est important. Par exemple en C, c'est vrai qu'on fera l'interface C. Alors c'est pas trop un problème en Java, Java se débrouille assez facilement, parce qu'il n'y a pas trop de soucis en Java pour faire la transformation.
notamment parce que Java a normalisé la représentation de ses propres entiers. Quelle que soit la machine Java sur laquelle vous êtes, un int, c'est 32 bits. Et il y a une représentation, vous ne le savez pas, mais il y en a une, c'est, je ne sais pas si c'est Big ou Little Endian, peu importe. Mais du coup, quand vous communiquez, quand vous échangez d'une machine Java à l'autre, via le réseau IP, Internet, alors la transformation sera faite dans un sens ou dans l'autre, si nécessaire. Le problème du C, c'est que on ne sait pas quelle est la taille des entiers, on ne sait pas quelle est la représentation de ces entiers sur chaque machine. Tout ça est hautement non portable. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, en C, à chaque fois que vous allez avoir besoin de transmettre des informations de type entier, alors ça, c'est important, hein ? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de transmettre des entiers ? Parce que quand vous allez vouloir téléphoner à quelqu'un ou établir une communication en C sur le réseau Internet, je vous rappelle que les adresses Internet, c'est 4 octets. Donc quand vous voulez dire « je veux appeler la machine 1, 2, 3, 4 », il faut bien transmettre 1, 2, 3, 4 dans le bon sens. Peut-être qu'il faut les transmettre dans 4, 3, 2, 1, j'en sais rien, mais il faut les transmettre dans le bon sens. Donc vous avez une fonction qui vous transforme toujours les entiers de façon correcte. Ça, c'est une fonction qui transforme du monde de votre machine, host, au monde du réseau, N, network. Et donc, vous avez l'inverse, qui transforme un entier du monde du réseau dans le monde de votre machine. Donc, à chaque fois que vous allez vouloir, vous avez un entier, une valeur que vous voulez transmettre sur le réseau, il va falloir la transformer en C grâce à la fonction H2NL. OK ? Et puis... Alors le L, c'est parce que c'est un host long, sinon vous avez le host short. Et puis l'inverse, vous recevez un entier depuis le réseau, vous voulez transformer en un entier normal, et bien vous devez employer, je vais y arriver, N to H, network to host. Donc l'émetteur, il fait toujours des H to N avant de transmettre, et le receveur, il fait toujours des N to H avant de traiter l'information. OK ? Bon, on reviendra sur la PIC, mais ça, c'est important. En Java, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous ne vous posez pas la question, mais Java le fait, bien sûr, en interne, sans que vous vous en rendiez compte. Mais Java maîtrise mieux son propre monde que celui du C. OK ? Ça peut être important, ces choses-là. Alors, peut-être ça ne vous arrivera pas, mais si vous avez la possibilité d'introduire un dispositif sur un réseau pour capter un peu les choses qui transitent, vous pourriez avoir des surprises. Parce qu'évidemment, si vous voulez interpréter les informations qui transitent un peu brutalement, il faut au moins connaître ce type de particularité. Quel est le codage qui est employé pour représenter les nombres quand ils transitent sur le réseau ? OK ? Alors, en Java, on va commencer par Java, parce qu'on sait qu'il y a d'autres choses bien plus désagréables. Mais en Java, c'est relativement simple. Il y a quand même un prérequis en Java pour utiliser correctement, disons, pour programmer correctement des applications communicantes, c'est d'être capable de comprendre comment fonctionnent les entrées-sorties de Java, donc de savoir les manipuler. Autrement dit, c'est le package Java.io, hein, qui est le package Java de toutes les entrées-sorties. Comment on écrit dans un fichier, comment on lit dans un fichier, comment on ouvre un fichier, comment on manipule un fichier, blablabla. Il y a beaucoup de classes là-dedans, c'est pas aussi simple qu'il y paraît. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont beaucoup manipé dans Java.io, mais si vous observez les classes du package Java.io, elles sont en nombre relativement grand. Donc ça, c'est une surprise au départ, hein. On dit, mais pourquoi il y a toutes ces classes bizarres pour manipuler les fichiers ? Parce que, en fait, pour chaque classe, ça représente une façon particulière de manipuler le fichier. Vous en avez une variété assez grande. Bon, on verra bien, mais on verra ces choses-là au fur et à mesure. Je ne veux pas faire un cours sur le package Java.io, mais à l'occasion, je dirai deux mots sur ce que j'ai besoin de savoir de certaines classes un peu bizarroïdes, disons. Donc, on va supposer qu'on connaît Java.io et toutes ces classes, InputStream, les readers, writers et autres joyeusetés. Le package le plus important qui va vous permettre de manipuler le réseau, c'est le package java.net. Et comme son nom l'indique, .net pour network. Et donc, c'est le package qui contient toutes les classes qui vous permettent de démarrer
l'écriture de programmes communicants via le réseau. Et il y a deux classes importantes. Serveur socket et socket. C'est pas pour rien que tout à l'heure je vous ai introduit la notion de client-serveur, mais on imagine assez facilement que serveur socket, c'est la classe qui va permettre de représenter le côté serveur quand on va établir la communication. Et puis socket, c'est celle qui permet simplement de représenter un point ordinaire qui n'a plus le rôle de serveur. Alors serveur socket, comment ça fonctionne? Rappelez-vous ce que ça fait un serveur socket, enfin, un serveur dans la communication dont j'ai parlé tout à l'heure. Bah, c'est une partie applicative qui fait quoi? Qui est devant son guichet numéro 23 et qui attend. Bah, c'est exactement ça, comme ça que vous allez construire un serveur socket. Vous voulez construire la partie applicative qui va attendre au guichet numéro 23. Et bien pour ça, vous allez créer une serveur socket. Donc vous allez instancier la classe serveur socket en spécifiant le port que vous souhaitez. Sachant que vous pouvez choisir a priori un port dont le numéro est compris entre 0 et 65535, compris. Sachant qu'en pratique, évidemment, il y en a qui vous sont interdits. Hein. Tous ceux inférieurs à 1024, il faut au moins avoir les droits d'administrateur ou je ne sais quoi. C'est pas très grave. Ça, ce sont des questions de système. OK? Mais attention, hein, ça ne fait que créer le guichet. Si vous voulez vous mettre en attente, cette classe serveur socket, elle a une méthode spéciale pour dire qu'elle est prête à accepter ou qu'elle se met en attente d'une connexion. Ce n'est pas parce que vous avez créé une serveur socket sur un port donné qu'il est possible de s'y brancher, hein, de demander une connexion. Pour demander une connexion, il faut que du côté du guichet, il y ait quelqu'un qui attende derrière, qui attende. Et donc cette opération du point de vue application ou programmation, c'est la fameuse méthode accept. Une fois que vous avez créé une serveur socket sur un port donné, quand vous appelez la méthode accept, alors vous vous mettez en attente, donc cette partie applicative se met en attente d'une connexion entrante, de quelqu'un qui arrive et qui dit « j'aimerais bien communiquer avec vous ». OK ? Et alors, que fait cette méthode accept ? Si vous regardez bien sa signature, d'abord elle ne prend pas de paramètres, hein, on fait juste attendre, mais sa signature indique qu'en retour, en valeur de retour, vous avez une socket. Eh bien oui, une fois que la communication est établie, je vous rappelle, les deux bouts de la communication sont complètement symétriques. Et pour communiquer, on communique sur une socket. Le serveur socket, c'est juste l'objet qui vous permet d'attendre. Une fois que vous avez accepté que quelqu'un vous parle, alors la communication est établie, on a un fil qui est complètement symétrique. Des deux côtés, on a une socket. Le client a utilisé une socket pour demander au serveur socket si elle accepte. Quand la serveur socket accepte, qu'est-ce qu'elle fournit, la serveur socket, en retour? Elle fournit une socket de service pour communiquer. On ne communique pas directement avec une serveur socket. La serveur socket, c'est juste l'objet qui permet de représenter la phase « je crée le guichet numéro machin et je me mets derrière et je me mets en attente ». Une fois que la communication est établie, les deux individus, les deux parties logicielles communiquent via une socket. Donc ça ressemble à ça, un serveur. Le code, un squelette de code pour un serveur, c'est un machin comme ça. Vous créez une serveur socket sur un certain port. OK ? Si ça marche, on voit bien. Hein. Si ça ne marche pas, vous avez des exceptions Java et autres joyeusetés. Puis qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, à l'infini en général, ou peu importe la condition, mais jusqu'à ce que l'heure soit dépassée, ou je ne sais pas quoi, ou vous ayez servi assez de personnes, mais vous attendez quelqu'un, vous attendez qu'on vous appelle, qu'on vous demande quelque chose. Quand c'est le cas, ce que vous récupérez, c'est un objet socket, ici je l'ai appelé service. Qu'est-ce que vous faites? Bah, vous utilisez cette socket pour communiquer, vous allez lire et écrire, blablabla. Bla, 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 bla. Et quand vous avez terminé, vous fermez, vous raccrochez ou vous fermez cette communication. Cette socket, vous la fermez, close. Une fois que vous faites ça, bah, vous pouvez vous remettre en attente. OK? Ça, c'est le côté serveur. Du côté client, donc
C'est quoi le côté client? C'est celui qui souhaite établir une connexion vers quelqu'un. Donc, vers quelqu'un, c'est quoi? Eh bien, un service sur une machine donnée. Donc, pour construire une socket, entre guillemets, client, il n'y a pas de classe socket client, c'est juste socket. Comment est-ce que ça se construit, une socket? Eh bien, vous spécifiez, par exemple, un nom et puis un port. Alors, vous spécifiez le nom, le nom Internet d'une machine. Vous pouvez mettre un numéro sous forme alphanumérique, si vous voulez. Ça n'a aucune importance. Java est suffisamment malin pour faire des conversions qui vont bien. Mais une fois que cette socket, une fois que ce constructeur vous a renvoyé une valeur, c'est bon, c'est que la communication a été établie. Ce qui est derrière, c'est qu'il y a toute une mécanique compliquée qui a été cachée. Hein. C'est qu'on a été interrogé le service d'annuaire pour savoir si cette machine avait un numéro. Si cette machine a un numéro, on va essayer de l'atteindre. Une fois qu'on l'a atteint, on va savoir s'il y a un serveur socket qui est branché sur le port de numéro donné. Si c'est oui, on va attendre que ce côté serveur accepte la communication. Quand ce serveur a accepté la communication, on renvoie une réponse pour dire « Ok, tout va bien, ça y est, maintenant, vous pouvez parler. Hein » Là, ce dont on vient de parler, c'est exactement tout ce qui se passe quand vous faites le numéro de quelqu'un au téléphone, il y a un certain délai avant que l'autre décroche. Il faut transmettre la demande, il faut rechercher où est le destinataire sur le réseau. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, il faut lui envoyer un signal, donc ça fait sonner son téléphone. S'il décroche, il faut renvoyer la réponse à l'émetteur pour lui dire « Ok, c'est bon, tout est établi. Enfin, tout le monde est d'accord et on va enfin pouvoir causer. » C'est exactement ça qu'on représente. Ok ? Mais une fois que la communication est établie, c'est bon. Des deux côtés, c'est complètement symétrique. On a tous les deux un téléphone qui communique sur... Voilà. Donc, du côté client... Il n'y a aucun souci, vous établissez vous construisez une socket en indiquant un nom internet ou une adresse internet, ça n'a aucune importance, et puis sur un port donné, et une fois que vous avez établi cette connexion, eh bien il n'y a pas de problème, vous allez causer comme bon vous semble. Quand vous avez fini de causer, eh bien vous fermez. Hein, à partir de là, n'importe qui pour raccrocher. Bien sûr, il faut se mettre d'accord sur qui raccroche, il faut éviter de raccrocher comme ça au nez des autres. Mais en général, dans la conversation, les choses sont entendues. C'est-à-dire qu'il faut se mettre d'accord avant sur la façon qu'on a de causer. Donc en général, quand on appelle quelqu'un au téléphone, celui qui appelle, il attend que celui qui décroche dise bonjour. Donc là, c'est pareil, il faut que le client et le serveur se mettent d'accord sur qui dit d'abord bonjour et qui dit au revoir, etc. Sinon, on pourrait avoir des surprises. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet socket ? Donc ça, c'est une socket TCP, c'est un flux. Hein. C'est vraiment la communication dont on a besoin la plupart du temps. C'est bidirectionnel, donc chacun peut lire ou écrire. Donc si moi, je suis un bout que j'écris, ça correspond à la lecture à l'autre bout, et vice-versa. Si je lis d'un côté, je lis ce que l'autre bout a pu y écrire. Et puis, c'est comme, peut-être vous verrez ça, c'est comme les tubes sous Unix, les tubes nommés ou les tubes anonymes ou je ne sais pas quoi, bien sûr, le médium n'a pas de mémoire, c'est-à-dire qu'il ne fait que transmettre. Si vous lisez quelque chose, une fois que cette lecture a été faite, l'information est perdue. Il n'y a pas de mémoire dans le médium de ce qui a été transmis. Quand j'envoie un mot sur le téléphone, il circule, mais une fois qu'il a été entendu de l'autre côté, c'est fini, quoi, il est perdu. Donc comment est-ce que ça marche ? Bah, de chaque côté, hein, vous avez un flux de lecture et un flux d'écriture. Donc, vous avez un objet de communication. Donc, vous avez d'un côté une application 1, puis de l'autre côté une application 2. Et en fait, ce flux, il est coupé en deux. Il y a deux parties. Il y a la partie où lui, il écrit et lui, il lit. Il y a la partie où lui lit, écrit, et lui lit. C'est un tube bidirectionnel. Ok ? Les messages peuvent transiter dans les deux sens. Vous l'envoyez d'un côté, ça ressort de l'autre, etc. Hein, il y a ce gros tuyau est en fait deux tuyaux avec du fluide qui circule dans les deux sens, possiblement. Donc, quand vous êtes à un bout, eh bien, vous pouvez récupérer l'objet qui permet de lire, et qui va représenter le bout où vous recevez des informations, ou vous pouvez récupérer l'objet qui permet d'écrire. C'est pour ça qu'il faut connaître un minimum de choses sur les packages Java I.O.
parce que ce que vous récupérez, ce sont des instances de classe du paquet Java.io. Si vous êtes à un bout de la socket et que vous voulez récupérer le côté qui permet d'écrire, eh bien, vous prenez votre socket et vous appelez la méthode getOutputStream. Ça, ça vous renvoie un OutputStream, c'est-à-dire un objet qui vous permet d'écrire. Je vous rappelle que dans Java.io, OutputStream, c'est l'objet de base, le plus basique, qui permet d'écrire. Bien sûr, de façon symétrique, ça s'appelle getInputStream pour récupérer, pour une socket donnée, la partie du canal qui permet de lire. Donc en fait, la partie où on avait établi la communication et qu'on fait blablabla, bah, évidemment, en général, vous récupérez au minimum la partie de lecture et la partie d'écriture pour pouvoir lire et écrire dedans, évidemment. D'accord ? Donc j'insiste là-dessus, hein. Ça c'est très important, mais ça fera partie des choses que vous allez mettre en place. Par exemple, quand vous ferez le projet ou je ne sais pas quoi, quand vous écrirez des applications communicantes. Ensuite, ce qui se passe à l'intérieur, qui commence à parler, à quel moment, qui doit dire quoi, ben, ça doit être un protocole que vous définir vous-même. Là, le réseau Internet n'a plus rien à voir, il ne fait que transporter l'information. Il faudra vous mettre d'accord entre applications pour s'entendre. Ça, c'est extrêmement important, hein, par contre. C'est l'interopérabilité, c'est-à-dire que le fait que si vous êtes en train d'inventer une nouvelle application sur Internet qui permet à deux processus distants de communiquer, ce que vous allez définir, c'est le mode conversationnel. Et donc, quelqu'un ou une équipe de développeurs peut s'occuper d'une partie de l'application sur une certaine machine et d'autres de l'autre côté. Il faut qu'ils se mettent d'accord sur qui commence à parler, quoi, quels sont les messages qui sont échangés. Ok ? Donc c'est la partie applicative qui ensuite est maître du protocole d'échange. Quand vous vous adressez à un serveur web, hein, que votre navigateur, vous tapez HTTP, je sais pas quoi, www, informatique, machin, il y a une socket qui est établie dans votre navigateur web qui va interroger le serveur socket ou l'équivalent sur le côté serveur web. Une fois que la communication est établie, il y a deux sockets. Maintenant, qui demande quoi ? C'est défini par le protocole HTTP, qui dit que le client, ensuite, il doit faire une requête GET pour dire qu'il veut tel document. Le serveur lui répond, ça existe, ça n'existe pas, je ne sais pas quoi. Bref. OK ? Donc voilà un exemple de communication. Qu'est-ce que j'ai pu faire là-dedans ? Normalement, ces exemples-là, vous devriez pouvoir les retrouver sur ma page web. J'espère que je n'ai pas vérifié s'ils étaient, mais sinon, je vous les mettrai. Hein. J'ai les codes sources quelque part. Ça, c'est une partie serveur. Vous voyez, c'est simplement un serveur. Il ne fait pas grand-chose, hein, mais il est exactement sur le modèle que j'ai donné tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, il établit une serveur socket sur un port donné. Donc là, je suis en train de me définir une nouvelle application à moi. Donc, je me suis attribué un port. J'ai pris le port 11111. C'est pas très grave, hein, c'est à des fins de test. Peut-être que c'est déjà réservé, mais bon, c'est pas très très grave. Une fois que j'ai obtenu cette serveur socket, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, à l'infini, parce qu'a priori, les serveurs, hein, ils passent leur temps à ça. Je vais leur demander, en tout cas les serveurs numériques, les serveurs des ordinateurs, ils sont sympathiques, eux, ils n'ont pas besoin d'aller dormir la nuit, etc. Donc en général, ils passent leur vie, tant que la machine n'est pas arrêtée, tant qu'on n'a pas coupé le courant, ils passent leur vie à attendre une demande, et quand il a une demande, bah, d'essayer d'y répondre. Donc, une fois que vous avez construit, vous avez établi la connexion serveur sur le port, et bien à l'infini, vous avez une boucle infinie, là, do while through, donc à l'infini, vous faites ça. Et qu'est-ce que vous faites ? Bah, la première chose, c'est que vous attendez qu'on vous sonne. Ils sont feignants, les serveurs, ils ne font rien que attendre. Par contre, dès que ça est accepté, qu'est-ce que vous faites ? C'est-à-dire que dès que quelqu'un vous a appelé, vous récupérez la socket de service, et puis vous répondez au service. Alors là, qu'est-ce qui est fait ? Eh bien, on a récupéré le flux de lecture. Donc, ce service, visiblement, attend qu'on lui envoie quelque chose. Il le lit. Donc, en gros, il lit une ligne. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il affiche sur son écran quelque chose. Donc, une information, notamment le message, visiblement. Et puis, il s'endort pendant... On nous enferme. Et puis il s'endort pendant 5000 millisecondes, donc 5 secondes.
une fois qu'il a fait ça, eh ben, il renvoie une réponse. Donc il prend son stream de sortie et puis il renvoie une réponse. Alors, les bizarreries que vous avez, c'est-à-dire les, je sais pas quoi, buffer reader BF égale new buffer reader de new input stream header de service get input stream, c'est quoi? C'est les bizarreries du paquet Java I.O. Parce que le get input stream, ça vous renvoie vraiment un objet super basique d'entrée sortie. Ça vous renvoie un objet sur lequel vous ne pouvez faire que des lectures. En plus, les seules choses que vous pouvez lire sont des bytes. Donc c'est super primitif, quoi. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir envoyer des strings. Donc les strings, c'est des paquets de bytes. En plus, je n'ai pas envie de savoir comment c'est codé et tout ça, parce que c'est l'horreur en Java. Les caractères sont des caractères Unicode. Donc ce que je fais, c'est que j'ai mis en branle toute une mécanique qui me fabrique le bon objet de sortie capable de lire directement des strings. Donc en Java, si vous voulez lire une ligne, notamment, une ligne de caractères, donc une chaîne de caractères avec un retour chariot derrière, le seul objet d'entrée-sortie capable de faire ça, c'est l'objet buffered reader. Donc il faut vous débrouiller pour fabriquer un buffered reader. Alors ça, c'est peut-être une bizarrerie, cette mécanique-là, mais c'est très important. Hein. Ça correspond à quoi? Il faut juste comprendre ça. D'abord, je vais rappeler deux, trois choses sur le paquet Java I.O. Si vous regardez la documentation du paquet Java I.O., vous avez plein de classes, là, je ne sais pas combien il y en a, 40, s'il n'y en a pas 40, il y en a 42, s'il n'y en a pas 42, il y en a 38, mais il y en a un nombre important. Si vous balayez ça de l'œil, vous allez trouver quand même des grandes lignes. Il va y avoir des input streams, des output streams, des readers et des writers. Et après, il y a des variantes. Il y a des buffered readers, des print writers. Mais en gros, vous avez des paquets de readers, des paquets de writers, des paquets d'input streams et des paquets d'output streams. Alors, ça se coupe en deux. Vous avez deux mondes. Vous avez le monde des streams. Je vous fais grâce d'une explication pour input et output. Et de l'autre côté, vous avez reader et writer. Pareil, je vous laisse imaginer à quoi servent les readers, à quoi servent les writers. Ce qui change, hein, c'est que vous allez dire, ok, ça permet de lire, j'ai bien compris, input, ça permet de lire, et reader, ça permet de lire. Alors pourquoi il y a des readers et pourquoi il y a des input streams? Ce qu'ils lisent est de nature différente. Les input et output streams, ce qu'ils lisent, ce sont des bytes. Ici, on est dans le monde des octets. En gros, les seules choses que voient les input et les output streams, ce sont en gros des octets ou des paquets d'octets. Ici, ce que voient les readers et les writers, ce sont des caractères, des chars. Et en Java, char et byte, c'est très différent. Char, c'est 8 bits signés à 2. Et byte, c'est 8 bits signés à 2. Et char, c'est 16 bits UTF. Alors, les objets de base, bien sûr, l'unité minimale, comme toujours sur les ordinateurs, c'est les bytes. Donc, les objets les plus basiques, c'est les input ou output streams. Bien sûr, nous, on a besoin de trimballer des chaînes de caractères et des machins comme ça. Donc, des objets plus évolués. Je suis bien d'accord avec vous, hein, une chaîne de caractères, c'est certainement un paquet d'octets. Mais j'ai pas envie de me préoccuper moi-même, de savoir, tiens, une chaîne de caractères, combien d'octets c'est, dans quel sens il faut les lire, je veux pas ça. Donc, ce que je veux, c'est des objets qui soient capables, par exemple, de me lire des chars ou autre chose. Mais ce que j'ai à ma disposition, ce sont des objets qui me permettent de lire des bytes. Alors c'est pour ça qu'on fabrique, qu'on fait ce machin-là. Là. C'est-à-dire qu'à partir de l'input stream, c'est-à-dire un machin qui lit des bytes, on finit par construire un buffered reader qui lui est capable de lire une ligne de char. Donc comment est-ce qu'on a fait ça? Bah, d'abord on a transformé le input stream, enfin on l'a transformé, on l'a encapsulé dans un objet qui est un input stream reader. C'est-à-dire que c'est un objet qui vous fait passer du monde de là à ce monde-là. Donc comment ça marche? D'abord, vous avez un objet de base. Imaginez que vous ayez un input stream. Donc lui, c'est un input stream.
Donc, qu'est-ce qu'il fait un input stream? En gros, hein, bon, il a deux méthodes hein, pour lire. Mais en gros, il en a une qui est read. Ça lit un byte. Donc, un input stream, vous faites read, il vous renvoie un octet. Read, un octet. Vous avez une autre possibilité, c'est que vous pouvez demander à lire un paquet d'octets. Mais fondamentalement, c'est la même chose. Ok, on sait que des chars, c'est des paquets d'octets. Même si je ne sais pas combien c'est pas très grave. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique un input stream reader. C'est quoi? C'est un objet. Si vous lui donnez un input stream, donc il le met à l'intérieur, il prend un input stream, il le cache à l'intérieur de lui-même. Lui, c'est un input stream reader. Qu'est-ce qu'il fait? En gros, hein, il a aussi une méthode read. La différence, c'est que cette méthode read, elle renvoie des bytes, mais elle renvoie char. Mais devinez ce qu'elle fait, cette méthode read. À chaque fois que vous faites un read dans l'input stream reader, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les reads qui vont bien dans l'input stream. Donc vous demandez à lire un char, qu'est-ce qu'il fait? Il va lire tous les octets qui vont bien pour retirer un char. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on voit un machin qui lit une ligne? Ça s'appelle un buffered reader. Donc vous prenez ce machin-là, vous avez votre buffered reader. Qu'est-ce qu'il fait le buffered reader? C'est pareil, en gros, il a une méthode, vous voyez, elle s'appelle readline. Ok. Quand vous appelez readline, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un paquet de reads qui lisent des chars, ça construit la chaîne de caractères. Chacun des reads de chars fait un read de byte. Bon, système, vous avez dit, les systèmes ils sont construits sur des couches, machin. Voilà, les entrées-sorties aussi sont construites sur des couches, et notamment en Java, on les voit réapparaître. Donc cette formule magique que vous retrouvez partout sur Internet, hein, il y a des millions de personnes qui posent à chaque fois la même question, comment je fais pour lire une ligne dans un fichier en Java? Et c'est toujours la meilleure réponse. Écoute, tu fais new buffer and reader de new input stream reader de machin truc. Tout le monde prend ça pour argent comptant sans toujours comprendre. La raison, c'est juste ça. Vous franchissez des mondes de plus en plus riches. Vous partez d'un monde où vous lisez des octets, vous transformez un paquet de lectures d'octets en une lecture de char, et puis un paquet de lectures de char en une lecture de ligne. Et pareil pour l'écriture. L'écriture, vous avez besoin d'écrire, hein, je sais pas quoi, une ligne, donc faire un println. Les println, vous regardez dans la docs, dans Java.io, ce sont des printwriters. Et donc pour construire un printwriter, en fait, il vous suffit d'utiliser un output stream writer. Et donc vous voyez bien, c'est un machin qui vous fait passer du monde des output streams qui sont des bytes dans le monde des writers qui sont des chars, et le printwriter qui vous permet de faire des println. Ok? Donc maintenant on peut faire abstraction de ces machins-là. Ce qui m'intéresse, c'est juste le fait que vous avez établi un point sur lequel on peut se connecter pour demander une communication. Vous vous mettez dans une boucle à attendre une communication. Quand vous avez décroché, donc quand quelqu'un vous a appelé, vous décrochez, vous lisez une ligne, vous endormez 5 secondes, vous envoyez un message de l'autre côté, vous fermez tout ce qui va bien, et puis vous recommencez à attendre une nouvelle communication. Donc ce serveur, il est vraiment très bête. Vous lui envoyez un message, il l'affiche, il dort 5 secondes, il vous envoie une réponse, il ferme, il raccroche, et puis il se met à réattendre. Donc c'est un service vraiment très élémentaire. La partie cliente, elle fait le même genre de truc. Ça tombe bien, la partie cliente, elle fait le même genre de truc. Hein. Donc il y a toujours les mêmes trucs, mais simplement c'est dans l'autre sens. Pour que tout ça fonctionne bien, puisque le serveur, une fois qu'il avait accepté la connexion entrante, il attendait un message, il faut bien que les clients, un client conforme pour ce serveur-là, ce service-là, il doit initier la conversation. C'est-à-dire c'est lui qui doit envoyer le premier message. Et puis, si possible, attendre la réponse du serveur. Donc, on fait exactement la même chose, sauf que c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que cette fois, le client, lui, il établit une socket. Donc, lui, c'est one shot, un seul coup. Hein. Le client, lui, son seul boulot, c'est qu'il envoie un message, il attend la réponse et puis il a fini son job. Le serveur, lui, c'est infini. L'interroger, il répond. L'interroger, il répond, etc. Donc le client, il établit une connexion vers le serveur. Alors là, j'ai fait tous mes tests sur ma propre machine, mais j'aurais pu mettre une autre adresse. Je crois que la semaine dernière, je vous avais dit que sur toute machine, il y a une adresse qui représente la machine elle-même, 127.0.0.1. Mais il y a aussi un nom
Donc sur toute machine, le nom localhost représente la machine elle-même. Sauf si vous avez configuré bizarrement votre machine. Je vous déconseille de faire ça, hein, mais vous allez au-devant de graves ennuis. Mais normalement, localhost, hein, pour toute machine, ça désigne la machine elle-même. Donc, je fais mes premiers tests de réseau sur ma propre machine. Bien sûr, il faut se méfier. Hein. Ensuite, il faut toujours vérifier que ça marche sur au moins deux machines, etc. Les tests au réseau ne sont pas toujours très agréables parce qu'évidemment, dès que vous faites apparaître vraiment, enfin, dès que vous placez effectivement dans le cas d'une communication via Internet, bah, vous avez affaire à diverses administrations de système, divers routeurs ouverts, et je ne sais pas quoi. Et donc, les choses se passent nettement moins bien qu'en localhost. Mais localhost, en général, vous n'avez aucun souci. Hein. À moins que votre machine soit dans un état étrange, si vous utilisez des ports ordinaires, autorisés, ont des numéros de ports suffisamment grands, vous pouvez toujours faire ça. Donc le client, qu'est-ce qu'il fait, hein? Il tente d'établir une connexion vers le service de numéros donnés sur sa propre machine. Donc on suppose que j'ai lancé le serveur de l'autre côté. OK? Et puis qu'est-ce qu'il fait? Une fois que cette communication a été établie, eh bien, lui, il écrit un message et puis il se met en attente de la lecture. Bah oui, quand vous demandez un service, vous faites la demande, donc là, j'ai envoyé un message, j'ai plus qu'à attendre la réponse. Le serveur, il met le temps qu'il faut. Bon, le serveur que j'ai écrit, il a mis 5 secondes, bah, vous êtes soumis. Il faut qu'il aille chercher dans ses dossiers. Et donc, il met un certain temps pour traiter vos requêtes. D'accord? Et puis, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on s'était mis d'accord. En fait, ce protocole est vraiment très élémentaire. C'est toujours la partie cliente qui envoie un message et la partie serveur qui envoie un message. Une fois que chacun a fait son boulot, que rien ne se passe. OK? Hop. Donc, le client, il ne fait pas grand-chose. Alors, il y a quelque chose qui peut être potentiellement ennuyeux dans le mode, dans le client-serveur que j'ai fait jusqu'à présent. C'est que vous voyez la partie applicative qui joue le rôle, entre guillemets, du serveur. Eh bien, elle est pas forcément très agréable. Je rappelle, qu'est-ce qu'elle fait? Vous attendez une connexion, le serveur, il attend une connexion. Quand il a une connexion, il attend la lecture d'un message, donc on peut supposer que le client lui envoie assez rapidement, bien sûr. Mais avant d'envoyer la réponse, il s'endort 5 secondes. Il peut se passer des tas de choses durant ces 5 secondes. Notamment, par exemple, il y a un deuxième client qui se présente. Bah, le deuxième client, hein, bah, tant que la socket serveur ne fait pas accept, il ne peut rien se passer. Il est bloqué, il est mis en attente. Alors, ça peut être considéré comme embêtant. J'en sais rien, hein. Il y a plein de modes différents. Vous avez des serveurs qui répondent à une demande, et pendant qu'ils sont en train de répondre à une demande, tous les autres se mettent en attente, dans une file d'attente. Ou alors, vous avez des serveurs malins. Des serveurs malins, ça c'est l'autre possibilité, c'est à chaque fois que vous avez établi une connexion, vous allez certes y répondre, mais vous n'allez pas y répondre vous-même. Vous allez prendre un collègue, vous allez dire « Tiens, voilà, j'ai quelqu'un pour toi. » Vous faites le dispatching. OK ? Donc, quelqu'un se présente au guichet, vous ne répondez pas vous-même à la demande. Ce que vous faites, c'est vous appelez un collègue, lui dites « Tiens, j'ai un dossier pour toi. » Et vous dites à l'autre « Bah voilà, mettez-vous de côté, on va répondre à votre main. » Et vous prenez le client suivant. Donc l'idée, c'est de dissocier les deux choses. Celui qui s'occupe de gérer est-ce qu'on accepte les connexions, quand, etc. Et la partie qui va répondre effectivement au service. OK ? Donc ce qu'on veut rajouter, c'est ça la difficulté, notamment en réseau, c'est qu'on veut aussi de l'asynchronisme. C'est-à-dire qu'on veut que certaines parties de l'application puissent répondre pendant que d'autres font autre chose. Donc là, le serveur que j'ai écrit, tel que vous l'avez là, c'est un serveur itératif. Vous prenez une demande, vous la traitez. Vous prenez une autre demande, vous la traitez. Et si le temps de traitement est long, bah vous voyez bien que les demandes suivantes sont bloquées. Ça peut être ennuyeux, hein. Et ça peut être nécessaire. Vous pouvez avoir un besoin très important de sérialiser ou d'itérer les demandes de connexion. En général, non, mais ça peut être un besoin. Donc comment est-ce qu'on fait?
Ben ça, ça veut dire que, comme je l'ai dit, hein, c'est pour ça que j'ai utilisé cette image-là, si vous êtes derrière le guichet, si c'est vous qui représentez le serveur, donc si vous voulez un mode plus tranquille, ben vous allez déléguer le service lui-même à un collègue. Donc vous appelez un collègue, vous lui dites, ça y est, maintenant, voilà, occupe-toi de ce dossier-là. Et pendant ce temps-là, vous traitez la demande suivante. Vous prenez un autre collègue, il va... Donc vous vous contentez, vous, de faire le chef et de dispatcher le boulot. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on dispatche? Donc il faut se débrouiller pour paralyser les traitements. Parce que vous imaginez que dans cette situation, il y en a un qui donne des ordres, et puis il y en a plein qui bossent. Donc il faut réaliser ça au niveau applicatif. Hein, il faut faire en sorte que plusieurs traitements du service se produisent en même temps. Alors il y a plusieurs façons de faire. Vous déléguez ça, soit à un autre processus, soit à un trade. Donc je ne sais pas si votre notion de processus elle est très claire aujourd'hui. C'est une question système, ou qu'est-ce que c'est que trade. Mais c'est la possibilité de réaliser des traitements parallèles. Donc toutes vos machines aujourd'hui sont multiprocessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez lancer plusieurs applications qui tournent en même temps sur votre machine, mais vraiment en même temps. Une application qui est en train de visionner une vidéo pendant que vous êtes en train de, je ne sais pas quoi, surfer sur Internet, et puis un autre truc qui fait un transfert de fichiers. Et puis votre mailer derrière qui n'arrête pas de lever du mail. Il y a plusieurs applications qui s'exécutent en même temps. Bien sûr, je vous rassure, tout ça est une, plus ou moins une illusion. Hein. Vous n'avez pas autant de processeurs de calcul qu'il y a d'applications sur votre machine. Mais peu importe, ça c'est toute la question du système. Vous verrez ça, comment est-ce qu'on arrive à construire ces illusions. On vous donne l'impression que plein de choses s'exécutent en même temps, c'est pas si vrai. Mais l'essentiel, c'est que vous, vous croyez en tant qu'utilisateur que toutes les choses se passent en même temps. Donc, cette notion d'application qui s'exécute pendant qu'une autre s'exécute, etc., c'est ça la notion de processus. Pour Unix, c'est une application qui s'exécute, c'est ça qu'on appelle un processus. Pour faire court, je ne fais pas encore de système. Un thread, c'est autre chose. Un thread, c'est une application à l'intérieur de laquelle il y a plusieurs exécutions. Il y a un bout de l'application qui écrit dans un fichier pendant qu'une image se charge, etc. Dans un navigateur web, il se passe des tas de choses en même temps, quoi. Hein, il y a une image qui se charge en haut, il y a un son qui s'exécute en bas, et puis il y a une vidéo qui tourne. Ça, c'est une seule application, mais à l'intérieur de laquelle se produit plusieurs choses en même temps. Toujours pareil, hein, vous avez l'illusion que c'est en même temps, je ne sais pas si c'est vrai, mais peu importe. Donc ça, c'est un thread. Un thread, c'est des exécutions concurrentes, du parallélisme, de la concurrence à l'intérieur d'une application. En Java, vous avez droit au thread. Donc ça, c'est natif. Dans le langage Java, dans la machine Java, etc., tout ça, c'est prévu, ça existe de base, c'est fourni de base, depuis Java 1.0. Donc la machine Java, elle a son propre système d'exécution à l'intérieur duquel, évidemment, chaque exécution s'appelle un thread. Alors vous n'avez pas forcément utilisé les threads, vous n'aviez peut-être pas forcément connaissance de ce que c'était qu'un thread jusqu'à aujourd'hui, mais il faudra bien que ça vienne, c'est important. En Java, on ne peut pas tellement se passer de thread. Hein. Il y a un moment, dès qu'on fait une programmation un peu compliquée, il faut utiliser les threads. Ou en tout cas, certains packages, certaines classes de Java utilisent des threads, donc même sans que vous en ayez conscience, mais il est bien un moment de savoir que ça existe. Parce que pour comprendre ce qui se passe, il est important de savoir que vous avez des threads, et donc comment est-ce qu'ils fonctionnent? Qu'est-ce que c'est qu'un thread? Alors il y a deux façons de créer un thread. Qu'est-ce que c'est qu'un thread? Il faut comprendre que un thread... C'est un bout de code qui s'exécute. Il faut arriver à faire la même gymnastique que pour une application, une application qui s'exécute. La différence qu'il y a entre un programme et une application. Une application, c'est un programme qui s'exécute. Le programme, c'est l'objet statique, c'est le code que vous avez écrit. Et le programme qui s'exécute, c'est ce programme qui s'exécute. C'est-à-dire, il y a l'aspect dynamique. Les machins qui sont en train de s'exécuter, les tests que vous êtes en train de faire, etc. Un thread, c'est pareil. À l'intérieur d'un code Java, vous avez plein d'instructions, plein de méthodes, plein de fonctions, plein d'objets, je ne sais pas quoi. À un certain moment, vous avez
plusieurs bouts de code qui s'exécutent en même temps. Un thread, c'est un de ces bouts de code qui s'exécute. C'est une de ces exécutions à l'intérieur de Java. Hein, donc là, si vous n'êtes pas habitué à ça, c'est un peu spécial. Parce que vous ne pouvez plus raisonner en vous disant « Mais ok, je sais que mon programme il est en train de faire ça. » Parce que votre programme, quand vous utilisez le multithreading, quand vous utilisez plusieurs threads, vous ne pouvez pas dire « Il fait ça. » Vous pouvez, tout ce que vous pouvez dire, c'est à ce moment-là, il y a ça qui fait ça, et ça qui fait ça, et ça qui fait ça. Ça devient compliqué. Vous comprenez bien que tous ces machins-là qui essaient de faire en même temps, je ne sais pas quoi, sur une variable, en même temps un truc sur un fichier, ça donne des effets très étranges. Hein. C'est comme dans la vie courante, hein, vous avez trois personnes qui tentent de rentrer dans une pièce, il y a des embouteillages, hein, il faut qu'ils poussent les autres à l'entrée de la porte, etc. Donc, il faut régler ces questions. Bon, je vous donnerai quelques éléments plus tard. Mais du coup, c'est ça qu'il faut comprendre. Un thread, c'est un bout de code qui s'exécute. Donc, il faut bien représenter, dire, un, quel est le code que vous voulez exécuter, et puis instancier cette exécution. Vous pouvez avoir envie d'exécuter en même temps trois fois le même bout de code. Dans votre application Java, vous pouvez avoir trois threads qui essaient d'écrire dans, je sais pas quoi, dans un fichier, pourquoi pas. Et me dire pourquoi est-ce qu'on peut avoir besoin de ça? Ben, vous avez trois threads qui essaient d'écrire le même fichier, mais en fait, chacun lit depuis une source différente. Ok. Alors, en tout cas, pour construire un thread, la première chose, c'est il faut représenter le bout de code qui doit être exécuté par le thread. Ah. Alors, pour une application, qu'est-ce qu'on vous dit en général? On vous dit, c'est simple, quand vous exécutez un programme Java, on commence par lancer... faire un appel à la fonction main, enfin, à la méthode statique public main de la classe machin truc. Okay. Ah, pour un thread, c'est pareil, sauf que ce n'est pas main que vous exécutez, c'est pour qu'un thread s'exécute, il doit exécuter la méthode run, une méthode run. Et cette méthode run, c'est celle d'un runnable. Donc si vous regardez la documentation Java, dans JavaLang, il y a une interface qui s'appelle runnable. Runnable, c'est une interface dans laquelle vous avez juste une méthode, public void run. Enfin, vous avez la signature d'une méthode, bien sûr, c'est une interface. Public void run. Et donc, toute classe qui implémente runnable peut être potentiellement exécutée via un thread. OK ? Maintenant, quand vous avez un thread qui est associé à un bout de code, ce bout de code, c'est une méthode run. Appel à ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez dans votre propre méthode run. Hein. Quand vous voulez lancer un thread, eh bien, vous demandez à le démarrer, faites start. Et start, c'est un truc bizarre. Quand vous faites start, tout d'un coup, il y a deux exécutions. Avant le start, il y a un thread, il arrive sur l'instruction start, qu'est-ce qui se passe? Bah, il lance le deuxième thread, et puis maintenant, vous avez les deux threads qui sont en concurrence. Celui qui a appelé start, et celui qui est déclenché par start. Vous aurez la même bizarrerie quand en système vous ferez des forks. Hein. Vous froncerez les sourcils de la même manière. Bon, bien sûr, vous avez des tas de problèmes maintenant, parce qu'une fois que vous êtes en concurrence, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, plusieurs threads, donc c'est comme si plusieurs personnes en réalité veulent utiliser un même objet, ben ça pose des problèmes. Vous n'avez qu'une clé et deux personnes veulent la clé. Comment on fait? Il faut bien régler les conflits. Vous avez plusieurs personnes qui travaillent, donc c'est bien de déléguer le travail à quelqu'un. Le problème, c'est que le travail d'origine, c'est à vous qu'on l'a demandé. Donc certes, vous l'avez délégué, mais il va bien falloir récupérer les résultats des autres, etc. Donc il faut s'entendre. Quand vous êtes dans la concurrence, vous avez des tas de problèmes. Alors par exemple, eh bien, vous pouvez demander à ce qu'un thread attende un autre. Après, j'ai du travail à faire, mais je vous donne quelque chose à faire. Il y a un moment, peut-être que mon travail à moi dépend du fait que vous ayez fini. Donc, il faut que je me mette à attendre que vous ayez fini. Donc, vous avez des choses comme ça. Sur les threads, vous pouvez attendre. Vous pouvez vous endormir. Vous pouvez faire des tas de choses comme ça. Alors, voilà à quoi ça ressemble. On peut essayer d'exécuter ça. Je dois avoir ça qui traîne. Je vais chercher tout de suite. Mais voilà à quoi ça ressemble, un thread. Enfin, pardon. Première chose, là, c'est pas encore un thread. Là, c'est un runnable. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une classe que j'ai appelée du code qui implémente runnable. La seule contrainte, quand je fais implement runnable, j'insiste, hein,
c'est que je suis obligé d'implémenter la méthode public void run. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai une méthode public void run qui fait quoi? Qui fait une boucle, peu importe, mais elle fait 10 fois la boucle. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette boucle? Elle s'endort pendant un certain temps, ça n'a aucune importance. Et puis, à chaque fois qu'elle se réveille, elle affiche un message. Et elle fait ça 10 fois. C'est ça mon code. Pourquoi pas, hein? Et puis, cet instant, enfin, cette classe du code, elle est initialisée avec un nom. Donc, vous lui associez un nom, et bien sûr, si vous construisez cette instance de du code, elle est nommée. Comment est-ce que je l'utilise? Bah, c'est exactement comme ça que je vais faire. Donc, il y a le du code qui s'appelle Jacques, le du code qui s'appelle Émile. Et puis, maintenant, je vais créer trois threads. Je vais essayer de faire trois exécutions. Au moins trois exécutions concurrentes. En même temps, dans la même application. J'ai une application, il va se passer au moins trois choses en même temps. Il y en a deux qui vont exécuter le même code. Donc il y en a un, thread T1, qui va exécuter le code 1, donc qui est l'instance du code qui a été initialisé avec Jacques. Il y a le thread T2 qui va aussi exécuter le même code qui a été initialisé avec Jacques. Et puis il va y avoir un autre thread qui exécute le code qui a été initialisé avec Émile. Donc je vous rappelle hein, que du code initialisé avec Jacques, c'est un truc qui va faire 10 fois, en gros, Jacques. Donc il y a deux exécutions en concurrence qui vont faire Jacques chacune. Je crois qu'il y en a un troisième qui fait Émile. Donc là, je les lance. Et le truc important, hein, c'est de comprendre que quand je fais T1 start, à partir de là, il y a deux threads. Il y a celui qui exécute le main, puis ensuite il y a T1. Donc là, il y en a deux. Le main, puis T1. T1, il fait son boulot. Hein, il fait Jacques. Pendant ce temps-là, le main, il fait T2 start. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il lance un autre truc. Il continue à faire Jacques. Pendant ce temps, le main, il continue son boulot. Il fait T3. Il lance T3. T3, il se met à faire Émile. Donc, j'ai quatre threads, en fait. Celui qui fait le main, qui a lancé T1, puis T2, puis T3. Et donc, à cet instant-là, là, quand je suis ici, j'ai quatre threads. Celui qui a permis de lancer la machine Java, qui, lui, a lancé T1, puis il a lancé T2, puis il a lancé T3. Donc, j'en ai bien quatre. Ok, donc ça c'est les deux bouts de code que je vous ai montrés. Hein. D'une part, il y avait la classe du code qui représente le code que je souhaite exécuter en concurrence. Et puis, il y a la classe essai qui, elle, construit les threads et les lance et gère cette histoire de concurrence. Lance les choses. Ok. Donc je vais compiler ça. Donc modulo les erreurs de compilation et je sais pas quoi. Ça devrait fonctionner. Ouais, ça c'est normal. Ah, j'ai un problème avec random. Qu'est-ce que j'ai fait avec random? C'est pas très grave. Bon, voilà. Donc là, j'ai compilé mon machin, je vais exécuter ça, on va voir ce que ça donne. Il se passe des trucs divers et variés. Si vous regardez, voilà, il y a des messages. Si vous y réfléchissez, enfin, on peut l'observer. Hein. Bon, peut-être que les paramètres que j'ai mis ne permettent pas de mélanger assez, mais regardez bien. Hein. Là, visiblement, vous voyez, il y a les deux Jacques qui font les deux choses en même temps. Là. Il y a le premier qui fait Jacques I0. Il y en a un qui a fait Jacques I1, puis Jacques I1. Je ne sais même pas si c'est le premier qui a fait le... Si c'est le même ordre. Ensuite, il y en a un, il s'est mis tout d'un coup à travailler plus vite que l'autre. Jacques I2, Jacques I3, Jacques I4. Puis après, il y a Émile qui s'est mis à bosser. Puis après, il y a un autre Jacques, qui est donc 5. C'est celui-là qui a repris probablement, alors que celui qui avait été arrêté a repris. Donc vous voyez que j'ai en concurrence là. Il y a trois personnes qui se mettent à bosser. Il y en a un qui écrit Jacques 0, 1, 2, 3, 4, 5, pendant que l'autre fait Jacques 0, 1, 2, 3, 4, 5, pendant que l'autre fait Émile 0, 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, jusqu'à 10. La seule chose que je peux dire, c'est que forcément, quand vous avez quelque part
je suis Jacques, I égale 4, avant, mais je ne sais pas où avant, il y a écrit Jacques, I égale 3. Mais sinon, comment est-ce qu'ils procèdent les uns avec les autres? Ça dépend. Tout d'un coup, il y en a qui se mettent à aller vite et d'autres lentement. Là, j'ai une exécution concurrente. Et vous voyez bien, mon problème, c'est qu'ici, je ne peux rien supposer. Si je relance cette exécution, il peut se produire une autre exécution. D'un coup, il y en a un qui va avancer plus vite que là-dedans, etc. Donc, je ne sais plus rien prédire. OK ? Donc, on peut imaginer hein, que l'un des trades, il sert à, je sais pas quoi, décoder un fichier JPEG sur ma page, pendant que l'autre, il sert à jouer une vidéo, et pendant que l'autre, il joue un son ou je sais pas quoi. D'accord ? Alors, maintenant, du coup, hein, si je veux libérer mon serveur de la petite contrainte que j'avais, c'est-à-dire du fait que je ne veux pas qu'il soit itératif, hein, je veux qu'il me rende le service le plus vite possible, et surtout, je veux éviter les choses désagréables. Les choses désagréables, c'est que quand vous arrivez devant un serveur, c'est que tout d'un coup, vous êtes obligé d'attendre que le client précédent ait été servi. Ça, c'est super désagréable. Si votre service est très court, il n'y a aucun souci. Hein. Si le service est juste quand vous dites bonjour, quand vous dites au revoir, il n'y a pas de problème, il n'y aura jamais vraiment de queue et de fil d'attente. Mais si le service peut être long, la probabilité qu'il y ait une file d'attente est d'autant plus élevée. Et les files d'attente, c'est les choses les plus désagréables que vous ayez dans la vie courante, mais aussi pour les machines. Hein. Si à chaque fois que vous faites une requête auprès de Google, il fallait attendre que les 100 000 millions d'individus qui ont fait Google en même temps que vous passent, vous ne seriez pas très content. Hein. Donc Google se débrouille pour vous faire croire que vous êtes tout seul à utiliser Google. Ça répond tout de suite, quasiment. Mais évidemment, il y a des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui font la même chose en même temps que vous. Donc Google s'est débrouillé pour que vous n'attendiez pas. C'est difficile à faire. Il y a sûrement plein de trucs compliqués à faire, mais une des choses qui est sûre, c'est que probablement le serveur, quand vous l'avez atteint, il n'est certainement pas itératif. Donc pendant qu'il vous envoie votre réponse, peut-être qu'il envoie aussi une réponse à quelqu'un d'autre en même temps. Donc comment est-ce que je vais faire si je veux obtenir ce que j'appelle un serveur multithreadé? Bah, comme son nom l'indique, c'est qu'en fait le service lui-même, c'est pas la partie qui fait l'attente qui va s'en occuper, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire accept, que vous allez avoir une socket de service, et ben vous allez transmettre cette socket de service à un thread qui va lui s'occuper de faire la gestion et la communication, blabla. Comme ça, vous, pendant que le thread communique avec la partie cliente ou qui a établi la connexion, et bien vous, vous êtes la partie serveur et vous allez pouvoir vous remettre en attente immédiatement. Donc comment ça marche ? Bah, par exemple, je vais implémenter un service. Donc maintenant, ma classe service, ça va être la partie du serveur qui va répondre, qui va effectivement réaliser le service. Donc qu'est-ce qu'elle fait, cette classe service ? Bien sûr, comme ça va être, elle va être exécutée via un thread, elle va implémenter runnable. Et sa méthode run, vous voyez ce qu'elle fait ? Bah, elle fait exactement ce que doit faire le service, c'est-à-dire la communication, là, tout blabla, les get input stream, les get output stream, communiquer, transmettre des machins. Puis quand elle en a marre, cette partie service, elle fait close. Et bien sûr, ce service, comment est-ce que vous l'initialisez? Pour que ce service fonctionne, vous lui donnez une socket. Donc le serveur socket, qu'est-ce qu'il fait? Il fait accept, il récupère une socket, qu'est-ce qu'il fait? Il s'empresse de créer un thread et de donner cette socket à ce thread qui exécutera ce service-là. Donc voilà à quoi il ressemble le serveur. Hein. Le serveur, il ressemble à ça. C'est-à-dire, il se met en attente. Il se met en attente d'une connexion depuis un client. Une fois que cette connexion a été établie, eh bien c'est pas lui qui va faire le service, mais il va créer un thread qui va exécuter le service. Et pendant que ce service s'exécute, donc on démarre ici l'exécution concurrente du service. Ben pendant que ce service s'exécute, lui, le thread principal, le thread serveur, si j'ose dire, qu'est-ce qu'il fait? Il se remet en attente. Il est prêt à prendre un deuxième client.
quand un deuxième, si un deuxième client se présente, il va créer un trade qui va exécuter le service pour ce deuxième client. Il va se mettre en attente d'un troisième client. Puis le premier, le deuxième, le troisième vont se mettre à exécuter. Alors on peut essayer d'observer les différences. On va essayer de faire les manips. Il me reste encore un petit peu de temps. La première chose, c'est qu'on va d'abord observer qu'en mode itératif, ça produit bien la chose attendue. Donc là, j'ai la partie client de tout à l'heure. C'était tout simple, je vous rappelle. C'est le client, il envoie un message au serveur, il attend sa réponse. Par contre, le serveur, qu'est-ce qu'il fait? Il lit quelque chose, il attend 5 secondes et puis il envoie une réponse. Donc j'ai les deux codes. J'ai celui-ci, client.java et serveur.java. Alors je vais essayer de voir si tout va bien. À vos souhaits. Et puis, faut que je compile le client, puis on va essayer ça. Alors non, j'aurais pas dû faire comme ça. C'est pas grave, je vais en prendre un autre. Alors, maintenant, il faut que j'expérimente ça un peu. Alors d'abord, je vais faire un mode très simple. D'un côté, je vais lancer le serveur et de l'autre côté, je vais lancer le client. Bien sûr, il faut lancer le serveur d'abord, sinon le client, il ne va rien se passer. Donc le serveur, je vais le lancer. J'espère que toutes les conditions sont bonnes. Je suppose qu'il en attente. Normal, le serveur, il ne fait rien. Là, je n'ai pas mis de message bizarroïde et tout ça. Je suppose que tout va bien. Là, le serveur, il a créé la socket serveur sur le port 11111. D'ailleurs, je pourrais l'observer. Si je fais un netstat, je devrais pouvoir le voir. Probablement, je vais voir sur le port TCP 11111, il y a quelque chose qui est en attente. Il est peut-être perdu dans la liste. Je vais peut-être regarder un peu vite. Ben là, évidemment, je vois en plus que pourquoi j'ai pas vu les TCP. Pourquoi est-ce que je ne le vois pas? Je ne sais pas, il est caché quelque part. Ah! Je ne le vois pas forcément, parce que malheureusement, peut-être que le port 11111, il est déjà prédéfini, donc en fait, il a peut-être... je ne le vois pas sous forme de numéro, mais ça se trouve, il est caché là-dedans. Ah, bon, peu importe. Bon, il faudrait que je trouve la bonne option pour Netstat, mais croyez-moi sur parole. D'ailleurs, ce qui devrait m'amener la preuve, c'est que si je lance le client, ça devrait fonctionner. Alors le client, je crois qu'il faut que je lui donne un argument. Oui, le client, il envoie comme message un argument qui est transmis en ligne de commande. Donc si je fais client, bonjour. Vous voyez ce que je vois côté serveur? Du côté serveur, il a détecté que quelqu'un venait de se connecter, donc il a récupéré le message qui avait été transmis. Il s'est endormi 5 secondes, on n'a rien vu, puis il a envoyé la réponse. Et 5 secondes après, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, le client, lui, il a reçu, je viens de recevoir le message, j'ai bien reçu ton message, bonjour. Donc maintenant, l'expérience, ça peut être celle-là. Je vais essayer de lancer, pendant que le premier client est connecté et attend sa réponse, je vais essayer de lancer un deuxième client. Alors, je me prépare, parce qu'il faut être rapide. Je me fasse des fenêtres un peu raisonnables. Ok, donc lui, vous voyez que le serveur est toujours pas mort. Là, il s'est remis en accept. Si je relance mon client, il n'y a pas de souci, ça va marcher. Ok. Donc maintenant, si pendant que le premier client s'est connecté et que le serveur est en train de traiter la requête, alors il fait, je sais pas quoi, il s'est endormi 5 secondes, mais il pourrait être en train de faire un travail compliqué. J'essaie d'envoyer un autre client. Vous voyez que pour l'autre client, il n'y a toujours rien du côté du serveur. C'est normal. Par contre, dès que le serveur a eu renvoyé la réponse pour le premier client, il s'est remis en accept. Et donc, il a récupéré le message du premier. Il s'est atteint. Mais c'est ça réalisé. C'est-à-dire que vous voyez bien que le deuxième client, il a été obligé d'attendre que le premier ait été servi.
Bon, vous imaginez que si je multiplie, j'en mets 15, bien sûr, le dernier 15e, il va attendre 15 fois 5 secondes. Tout ça pour recevoir une réponse. Donc pour lui, vous voyez que le service, pour le 15e client, le service, il ne dure pas 5 secondes. Il va durer 15 fois 5. Maintenant, je vais essayer de multitrader tout ça. Alors, je ne dois pas relire le code, mais je vais le faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut que je modifie le serveur pour cette fois, le service soit rendu par un trade. Donc, ce que je vais créer, je vais essayer de vous... qu'est-ce que je fais ? Voilà. Donc, je vais créer une classe service qui implémente Runnable. Donc, ce que je veux, c'est créer du code qui va représenter le service. C'est-à-dire ce bout de code qui est là. Hein ? Qui crée un buffer reader, qui lit ce qui vient du client, qui attend 5 secondes et qui écrit vers le client. Je vais le mettre dans un... Je vais mettre ça dans une fonction spéciale. Et c'est cette fonction-là qui sera exécutée par un trade. Donc, pour ça, j'implémente... C'est implement, ça. Pas implement. Public void run. Je vais y arriver. Je prends le bout de code qui m'intéresse, celui du service. Et puis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Alors, le service, lui, il est forcément paramétré par le, par la fameuse socket. Forcément, hein, le service, il rend service à un client. Donc, il a forcément un moyen de communiquer avec le client. Donc, il a un bout de la socket. Et puis, ben, on va lui mettre un constructeur à ce petit... Voilà, jusqu'à là, il y a bien, je pense qu'il n'y a pas de mystère. Si, il me doit manquer un petit try-catch. Quand on est dans les entrées et sorties, c'est la punition, vous le savez bien, il y a des tries partout à mettre, des exceptions à traiter partout. Donc, j'y vais. Je ne fais pas de gestion d'erreur particulière. Hein. Donc, voilà. Voilà. Rien de bien mystérieux. Et du coup, la seule chose que j'ai besoin de faire maintenant, donc j'ai créé, j'ai isolé la portion de code qui rend le service. Donc maintenant, il faut que je crée en fait les instances du service qui seront lancées en concurrence. Un trade qui mange la fonction qui rendra le service. Donc ici, c'est très simple, trade. C'est une classe native de... Alors je vais l'appeler, je ne sais pas comment... le délégué, si vous voulez. Je vais créer un nouveau trade qui mange quoi ? Ben, qui mange une nouvelle instance de mon service qui reçoit en paramètre la socket de service. Et une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais ? Ben, je dis que le délégué il peut commencer à bosser. Quand je dis que le délégué commence à bosser, ça y est, c'est fini. Lui, il a pris en charge la communication. Il se débrouille. Pendant ce temps-là, je me remets en attente et je vais pouvoir prendre en charge peut-être un autre client. Et on devrait voir l'effet, c'est-à-dire que maintenant, si j'ai deux clients qui arrivent quasiment en même temps, ils vont être servis quasiment en même temps, et pour eux, ils ne verront pas de différence, ils seront servis tous les deux en 5 secondes. Ou des pouillèmes, hein. Évidemment, si je me mets à mettre des milliers de clients, ça va finir par coûter, mais... Ok ? Alors, je vais compiler tout ça. Il n'y a que le serveur compilé, donc ça devrait aller. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Donc, on va arrêter celui-là. On le relance. Ça ne change rien, évidemment. Par contre, je vais lancer les deux clients, là. Celui-là, celui-là. Et vous voyez que les deux, immédiatement, du côté du serveur, hein, immédiatement, il y a eu bonjour et salut. Il n'a pas fallu attendre la réponse du premier pour que le deuxième soit servi. Et c'est normal, parce qu'à partir du moment où vous avez vu ça, il faut bien comprendre hein, que ça, c'est déjà un délégué qui a fait le boulot. Ce n'est pas le serveur principal. Le serveur principal, il a fait accept,
Une fois qu'il a dit accepte, il a dit tiens, occupe-toi de ça. Il a été chercher un esclave là, un trade. Il lui a dit maintenant fais le boulot. Et pendant ce temps-là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se remet en attente. Donc évidemment, pendant ce délai, il y a l'autre qui s'est mis à... qui est arrivé. Et donc vous voyez que du point de vue des deux clients, c'est complètement transparent. Les deux, ils attendent 5 secondes. Hein. Je peux vérifier ça, on va voir. Hein, mais si je essaie de mesurer le temps qui a été consommé... Bon, alors, pardon. Mais vous verrez que pour les deux, le délai, ça va être les 5 secondes. Je ne sais pas où elles sont passées, les 5 secondes, mais voilà. Hein, vous voyez que les deux, ils ont vu... pour eux, ça a duré 5 secondes, pour les deux. Alors que si j'avais fait la même mesure tout à l'heure, dans le mode monotradé ou itératif, la même expérience, il y en aurait un qui aurait vu le service en, je sais pas, 8, 9, peut-être même 10 secondes. OK ? Je vous suggère d'arrêter là pour aujourd'hui.